On passe un peu plus tard. Pourquoi vous êtes Nabil Abraham? Non, tout à fait. Donc, moi, je suis un modeste journaliste animateur de débat. Nabil Abraham, justement, sur ce gouvernement, l'action qui est entreprise aujourd'hui, entre le discours de politique générale, c'était en octobre dernier. Aujourd'hui, on est en mai 2022. A priori, pas de changement de cap, en tout cas, à la fois budgétaire et à la fois économique. Est-ce que je me trompe? Non, il faut resituer comment ça s'est déroulé. Le gouvernement s'est installé fin octobre. Il y avait un dilemme sur la loi de finances. Il y avait une déclaration de gouvernement qui nous allait très bien au niveau de la majorité, au niveau du parti du Cercle. Il faut rappeler quand même que le Cercle revient de 10 ans d'opposition. Le PAM n'a jamais gouverné. Et on se retrouve avec une majorité qui doit se découvrir aussi bien dans la façon de travailler que les hommes qui ne se connaissaient pas forcément. Donc on avait cette situation qui était inédite, avec des profils particuliers, plus techno que politique. Donc il y avait cette démarche. Et puis le gouvernement atterrit dans un, il ne faut pas l'oublier, dans une situation de transition entre l'ancien gouvernement qui avait préparé la loi de finances et celui qui arrivait. Dans l'urgence, il y a eu une décision de continuité. Je vais revenir sur la continuité parce qu'elle est importante, parce qu'on aurait pu choisir d'autres voies. Et puis, il y avait Delta. Les Marocains oublient que novembre, décembre, on était encore sur Delta et on est surpris. Sur la crise Covid. Oui, on est surpris par l'arrivée de Omicron et le doute était là. Est-ce que Omicron, il fallait gérer ce doute avec et ne pas rater la sortie de cette gestion de pandémie qui est exemplaire au niveau du Maroc. Donc il y a eu ce trouble pour est-ce qu'on relance immédiatement, est-ce qu'on reste sur une restauration, est-ce qu'on fait de la résilience. Tout ça était construisait un environnement. Tout ça n'a pas été réglé non plus depuis. Est-ce que valeur aujourd'hui, voilà l'impression que début janvier, oui. Les choses étaient beaucoup plus claires. Le gouvernement avait des informations plus précises sur l'Omicron qui n'était pas aussi compliqué que Delta et avait commencé à dérouler sa loi de finances. Loi de finances entre parenthèses. Qui est intéressant parce que les gens n'ont pas lu correctement la chose. Le gouvernement a choisi de ne pas faire d'austérité, alors qu'il a augmenté le budget d'investissement, il a même augmenté le budget de financement, et il s'est inscrit sur éventuellement la possibilité de préparer une relance. Sur la base d'un taux de croissance autour de 3,2%, oui, absolument, voilà, sur lequel on avait critiqué un peu au niveau de l'Alliance en disant que ce n'était pas très volontariste, que ce n'était pas très ambitieux en tout cas. Très ambitieux. Rappelez-vous du communiqué qu'on avait sorti à ce moment-là. Et les opinions publiques aussi avaient été très critiques sur le fait de dire pourquoi ils promettent que 3%. Oui. Mais en même temps, ça a été divisé par 3, ça, valeur aujourd'hui. Espérons que ce soit seulement 3. Donc, arrive début de l'année, commence le gouvernement essaye de s'installer avec beaucoup de difficultés parce que les profils des ministres ne connaissaient pas l'administration, ils découvraient les marchés. Ils ne connaissaient pas l'administration ? Oui, ils n'avaient pas l'habitude. Certes, beaucoup n'avaient pas l'habitude. Ils venaient du privé. Il faut découvrir leur périmètre administratif. Il fallait découvrir les marchés en cours, les projets en cours, les hommes, le top management des ministères. Il y avait des vides. Il y avait pas prêts à gouverner. En fait, il y avait des ministres, vous dites, grosso modo, n'étaient pas... Qui avaient besoin un peu plus de temps que d'autres. Donc c'est un phénomène qui existe au niveau de l'administration. Il fallait changer certains directeurs, certains secrétaires généraux. Tout ça était lancé et on commençait à lancer les projets et les promesses. C'est-à-dire Aourache commençait à être décliné au niveau local. On commençait à négocier avec le tourisme parce qu'on espérait une relance dans le 3e et 4e. Et il fallait débloquer 2 milliards de dirhams pour le tourisme. Oui. Donc les chantiers ont commencé à connaître une certaine... Et puis, ils ont eu des surprises. On découvre qu'il y a beaucoup de retard dans les projets, tels qu'au niveau de l'eau, les stations de dessalement n'ont pas été construites. En fait, ils se sont aperçus qu'on a perdu 10 ans.
10 ans de, ouais, d'investissement. C'est pour ça que le gouvernement disait chaque fois renvoyer à l'ancien gouvernement ce que disait Ben Arblas, c'est trop facile de renvoyer ça. Désolé, c'est la réalité, ouais, c'est une donne, ce n'est pas la seule chose, mais en tous les cas, beaucoup de programmes avaient beaucoup de retard et qu'il fallait les remettre rapidement en chantier avec des complications. Regardez ce qui s'est passé au niveau des travaux publics, les grands chantiers. Ben, le problème, c'est qu'il fallait sauver les marchés, il fallait réviser les prix, les entreprises fermaient les chantiers parce qu'elles n'avaient pas les produits en approvisionnement, les prix ont flambé, tous les produits importés flambaient et tout le monde se regardait. Donc le gouvernement a pris aussi sur lui un acte très courageux de réviser. Justement, parce que vous venez sur effectivement ce qui s'est passé depuis le 24 février et de manière amplifiée d'ailleurs depuis, c'est cette guerre en Ukraine, et donc conflit armé, flambée des commodities, des matières premières, donc renchérissement global. Okay. Il y a deux chocs. Le gouvernement n'a pas beaucoup de chance. S'il a un peu de chance et pas beaucoup de chance. L'affaire, le Covid, le Maroc rentre en situation verte, mais il veut aller doucement. L'affaire de l'Espagne est résolue. Par rapport au gaz, par rapport, vous dites, par non, rapport non. à l'Espagne, c'est-à-dire les relations diplomatiques, les tensions diplomatiques. Et créer une tension même économique. Donc ça, c'est de bonnes nouvelles. Mais arrivent de très mauvaises nouvelles, la sécheresse, très mauvaise année agricole. Donc il y a une gestion de l'eau, il y a de l'urgence, il y a l'urgence de planifier l'eau et pour éviter le maximum de coupures. Est-ce qu'on l'a réorienté aussi? Est-ce que le gouvernement aussi, parce que c'est un reproche qu'il lui a fait aussi, n'a pas réorienté aussi l'offre agricole, c'est-à-dire l'orientation des cultures? On a une problématique d'eau, sécheresse, problématique d'eau, continue toujours des cultures qui nécessitent beaucoup d'eau. Donc voilà, c'est aussi les reproches qui sont faits au gouvernement. Mais on ne peut pas faire le reproche de ça parce qu'il faut 5 ans pour pivoter sur d'autres cultures. Ça ne se fait pas par un décret, ça se fait pas par... Ça ne se fait pas par une décision politique. Ça se fait par une position politique. Il faut qu'elle soit assumée, il faut qu'elle soit déclarée, il faut qu'elle soit qu'elle doit répondre à une planification territoriale et renégocier avec nos partenaires parce qu'on exporte énormément. Et on exporte beaucoup de tomates d'ailleurs. Les partis d'opposition qui ont dit qu'il faut stopper l'exportation de tomates parce qu'on a une problématique une problématique hydrique. Parce que vous parlez de la ressource hydrique, et c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est Elisa Baraka qui a la charge aussi de ce portefeuille ministériel. Quand l'opposition dit, voilà, effectivement, flamber les prix, le prix de la tomate, y compris chez nous. Donc, pourquoi ce gouvernement ne prend pas la décision de stopper l'export de la tomate? Un, pour protéger nos ressources hydriques, et deux, surtout, protéger le pouvoir d'achat des Marocains. Et ça, c'est une décision politique qui n'a pas été prise non plus. Est-ce que là, il y a enjeu ou pas? Oui, il y a toujours un enjeu, mais vous savez, c'est des arbitrages. Le gouvernement a décidé, évidemment, qu'on ne plante pas de pastèque cette année parce qu'elle est consommatrice d'eau. Sur la tomate, ils ont essayé de diminuer la quantité parce qu'on a des accords avec l'Union européenne, parce qu'on a toujours, lorsqu'on a des partenaires, on ne prend pas une décision tout seul. Donc on essaye de renégocier certaines choses, certaines périodes d'exportation, certaines qualités, à quel moment, sur tel pays ou autre. Donc c'est toujours des arbitrages compliqués à faire sur le tas. Le problème, c'est qu'il faut replanifier tout ça et repartir dans un autre schéma de production et d'exportation au niveau agricole. Ça, c'est certain, mais ça ne se fait pas en quelques semaines. Donc, on a eu la sécheresse et on a la guerre. La guerre et l'impact, en tout cas, sur la flambée des prix sur le marché international de toutes les matières premières. Oui. Là, c'est sans exception, c'est toutes les matières premières qui ont flambé. Est-ce qu'il est normal, que le gouvernement valeur aujourd'hui, on est en mai, le 11 mai d'ailleurs, pour être très précis, n'a toujours pas mis en place une stratégie d'ensemble pour faire face à cette inflation continue qui est en train de devenir structurelle de l'inflation des matières premières? Alors, il y a plusieurs volets dans votre question. Quand un gouvernement veut prendre des décisions lourdes,
tels qu'un bouclier, bouclier tarifaire, bouclier tarifaire, un déblocage, défendre, étouffer l'inflation, toutes ces philosophies. Il faut arrêter un scénario. Il faut que le gouvernement sache que décide, arbitre en disant est-ce que nous sommes dans une crise d'un trimestre, ou nous sommes une crise de deux trimestres, ou une crise de quatre trimestres, ou est-ce que nous sommes dans une période beaucoup plus longue. Donc il est normal qu'au début, le gouvernement, et tous les gouvernements du monde, s'interrogent sur la durée de cette crise qui est un peu différente, parce que ce n'est pas seulement le prix qui a flambé, c'est la disponibilité. Il y a problème d'approvisionnement. Même celui qui voulait acheter à un prix beaucoup plus important ne trouvait pas le blé nécessaire, ne trouvait pas le soja, ne trouvait pas l'huile. Écoutez, regardez ce qui se passe en France. Ils ont les moyens. L'huile a disparu des rayons des supermarchés. Les restaurants ne servent plus de frites parce qu'il n'y a plus d'huile. Donc c'est aussi bien une question d'offre que de prix. Quand on est face à un choc inflationniste de la taille, qui est planétaire d'abord et qui a un fort impact sur toutes les sociétés dans le monde, y compris chez nous et les économies, bien entendu. Est-ce qu'il est normal et logique, Annette Benchrolland, qu'en étant bientôt mi-mai 2022, d'une part, donc ça fait plus de 3 mois maintenant que ça dure, vous avez dit effectivement, est-ce que le gouvernement au début n'avait pas de visibilité sur la durabilité de cette inflation? Aujourd'hui, grosso modo, si on fait converger les experts internationaux, c'est une inflation qui va durer, où il y a une vraie menace d'ailleurs et un vrai risque qu'elle se transforme en stagflation, croissance extrêmement faible, une inflation extrêmement forte, et avec la possibilité aussi, certains en parlent et commencent à l'évoquer, emploient le terme de récession possible. Voilà. Donc quand on a tous ces éléments-là, est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, c'est bientôt la fin du premier semestre 2022, érosion massive du pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages, qu'il n'y a toujours pas de plan, de vision, de stratégie, de plan d'action pour essayer de freiner de casser la courbe inflationniste? Bon, il faut quand même citer que le minimum a été fait, c'est-à-dire l'aide aux transporteurs professionnels, tout ce qui est... Est-ce que ça casse l'inflation, ça? On va y aller là-dessus. Ça diminue le coût du transport des matières. Donc, il y a quand même 500 millions de dirhams qui ont été débloqués pour les taxis, pour les transporteurs, pour les bus, etc. On ne peut pas dire rien n'a été fait. Mais est-ce que ça, juste, c'est intéressant, cette première mesure prise par ce gouvernement, effective d'ailleurs depuis le 1er avril, bien d'accord, plus de 400 000 bénéficiaires aujourd'hui. Les chiffres augmentent, en tout cas, un budget de 3 milliards de dirhams qui a été 2 milliards. 2,5 milliards de dirhams. On peut aller jusqu'à 2 milliards de dirhams. 2 milliards de dirhams. On a dépensé les 500 millions. 500 millions, donc ça fait plus de mois qu'elle est effective, cette aide directe et cette subvention. Est-ce que ça permet, selon vous, est-ce que ça a permis aujourd'hui de freiner l'inflation? Ça minimise un peu les choses, sachant qu'ils ont été un peu plus loin, puisque maintenant, il y a une loi d'indexation sur le coût du transport et de l'énergie. Ça ne va pas être une décision exceptionnelle, ça va être structurel, puisqu'une loi va être votée pour structurer la couverture de l'énergie sur les transports. Retour dans l'indexation, je sais que ça, c'est quelque chose qui est porté aussi par l'Istiklal. Pour nous, c'est des seuils. Il y a des seuils où... Sauf que quand on a l'essence ou le diesel qui est à 14 dirhams, ou qui demain pourrait, on ne le souhaite pas d'ailleurs, revenir à 15 ou 16 dirhams, est-ce que retour à l'indexation va permettre de freiner, voire de contenir l'inflation sur le prix des carburants? Ça dépend des possibilités et c'est des choix. Vous savez, un budget, à un moment donné, il n'est pas élastique éternellement. Si ça continue, écoutez, prenons un scénario. C'est grosso modo que ça va continuer. Moi, je pense que c'est le plus probable et réaliste. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il va continuer pour des années. Je vous expliquerai le scénario qui me paraît le plus... Donc, pour vous, ça va durer des années? Oui. Est-ce que le retour à l'indexation va permettre de contenir l'inflation sur les prix des carburants et l'impact à la pompe? On ne peut pas faire une indexation éternellement. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien faire une indexation et faire baisser les prix du gaz et de l'essence à 10 ou 8. Évidemment, tout le monde va applaudir. Mais regardons ce qui se passe aujourd'hui. La caisse de compensation au Maroc. Après 4 mois, on a déjà brûlé les 16 millions qui sont dans la loi de finances. 16 milliards. 16 milliards. Ouais. Donc, sans... On va revenir là-dessus. Sans subventionner l'essence et le gasoil. Rien que la butane, le sucre et la farine.
Ça veut dire que même si on ne fait rien sur l'essence, on est sur un train de 50 milliards de dirhams pour la caisse de compensation, si ça dure. Tout ça pour faire par rapport aux reproches qui vous ont fait, qui sont faits en tout cas ce gouvernement. Effectivement, première mesure, vous l'avez cité, les aides directes aux transporteurs et aux propriétaires d'agréments de taxi. Dites, voilà, on a essayé de mesurer l'impact, effectivement, sur l'inflation et sur le coût de la vie qui fait en sorte aujourd'hui que les ménages sont en souffrance. On est d'accord ? Donc vous dites aujourd'hui, un, vous dites cette inflation va durer. Oui. Et deux, vous dites pour les carburants, de toute façon, pour les prix des carburants, ils ne sont plus subventionnés depuis 2015. Vous êtes pour un retour à l'indexation, sauf que le retour à l'indexation avec un niveau extrêmement élevé des prix des hydrocarbures, des carburants, ça va avoir un faible impact pour le consommateur final. On est bien d'accord ? Oui, oui. Est-ce que du coup, Alain Bechroun, je vous regarde dans les yeux, oui, oui. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas aller sur d'autres options ? Est-ce que ce gouvernement, d'ailleurs on lui fait souvent ce reproche, pourquoi ne pas aller sur le plafonnement des marges des distributeurs ? C'est ce qui avait été prévu d'ailleurs dans le programme de l'Istiqlal. Pourquoi ne pas aller sur ou le plafonnement des marges, ou le plafonnement des prix à la pompe, ou peut-être aussi aller sur un allègement de la fiscalité, essentiellement de la TIC sur les carburants ? Pourquoi ce gouvernement ne prend pas cette option-là ? On dit ouais, non, parce qu'il y a conflit d'intérêts, ou non, parce qu'il y a des lobbies, non, parce que le chef de gouvernement a répondu il y a à peu près 3 semaines en disant de toute façon, les marges dégagées par les distributeurs aujourd'hui sont égales à celles qui étaient dégagées en 1997 de mémoire. Est-ce qu'un argument qui a été accueilli par les opinions publiques ? Bon. Vous avez raison, on peut se poser la question et la question n'est pas tabou. Ceci dit, on peut. Le gouvernement, s'il est acculé à plafonner les marges et à diminuer les marges des distributeurs, il le fera. Vous pensez qu'il le fera ? Ils en ont parlé, les chefs de parti, Nizar Baraka avec Aizar Nouch et Abdi. Tous ces sujets sont sur la table. Tous les scénarios sont à l'étude. Mais ça ne fera baisser l'essence et le gasoil que d'un dirham dans les meilleurs des cas. Et que nous serions demain sur les 14, les 15, les 16 et les 18. Et parce que c'est une inflation qui est différente. C'est une inflation importée. Mm-hmm. Nous avons une inflation importée sur l'énergie et nous avons une inflation importée sur l'alimentaire. Et certains économistes disent aussi qu'on a une inflation qui n'est pas forcément importée, qui est de chez nous, parce qu'on a une politique de la Banque centrale d'un point de vue monétaire qui a été trop accommodante ces dernières années. Ben justement, la Banque centrale, comme la Banque européenne de l'Union européenne, elle réfléchit à la chose en disant, d'habitude, la mission de la Banque centrale, c'est d'augmenter le coefficient des intérêts, le taux directeur, pour bloquer une inflation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons une inflation qui n'est pas due à la demande, mais à l'offre. Mmh. Donc même s'ils font augmenter les prix, le taux pour augmenter les intérêts, pour bloquer la consommation, pour faire diminuer l'inflation, ça n'aura pas lieu. Nous sommes dans un monde qui est différent. Donc le levier monétaire ne peut pas avoir d'impact sur la stabilité des prix. En fait, c'est des packages qu'il faut imaginer. Oui. Il faut toucher ici pour avoir un peu, toucher ici pour avoir un peu, toucher ici pour avoir un peu, pour minimiser l'inflation. Mais tant que la guerre dure, l'inflation, elle est là, structurelle. On reviendra là-dessus avec vous, Anne Bechroun, sur l'inflation et quelle politique, en fait, est-ce qu'il faut prioriser la croissance et essayer de la relancer un petit peu, de la vitaminer, ou est-ce qu'il faut prioriser essentiellement le frein, en tout cas casser la courbe inflationniste, parce ce gouvernement est confronté aujourd'hui à ce choix que certains qualifient de dilemme, mais qui n'est toujours pas réglé, et on a l'impression en tout cas que aujourd'hui c'est le statu quo. Mais juste sur les hydrocarbures, donc, vous dites le gouvernement n'exclut pas éventuellement des marges des distributeurs si l'inflation sur les hydrocarbures se poursuit. Je ne suis pas dans le secret des dieux, oui. Je ne suis pas autour de la table du gouvernement et je comprends que les sujets doivent être traités dans un minimum de secret de délibération, mais connaissant un peu le système marocain, aucune décision n'est écartée d'avance et que tout peut avoir lieu ponctuellement, de façon plus intelligente, etc. Mais vous, ils sont obligés de faire dans la dentelle. Ce n'est pas une décision qui va résoudre. Une décision ne va pas résoudre le problème. Une décision qui ne va pas résoudre le problème. En tout cas, la position de l'Istiqlal là-dessus, c'est quoi ?
défendre programme, programme électoral, c'était le plafonnement des défendre des la classe moyenne. Défendre la classe moyenne. Oh, plus de revenus disponibles au niveau des ménages. Donc vous serez beaucoup plus favorable à un plafonnement des... Nous sommes favorables à tout ce qui peut... Plafonnement des marges, plutôt plafonnement des marges, allègement de la fiscalité d'abord sur la... D'abord de créer le maximum d'emplois, le pouvoir d'achat, c'est lorsqu'on ouais, crée un emploi, on passe de 0 dirham à 3 000, 4 000, 5 000, ah, c'est du pouvoir d'achat. Avant de passer sur la deuxième décision, d'ailleurs qui est la plus récente qui a été prise, avec l'augmentation du salaire minimum... Oui. Du SMIC, à la fois dans la fonction publique d'ailleurs et dans le secteur privé, politiquement. Politiquement, c'est très bien. Non, mais avant de venir à cet accord, politiquement, est-ce que Nizar Baraka, en tant que secrétaire général de l'Istiklal, quand il se retrouve avec Aizer Khnouch sur cette question de la hausse des prix des carburants, cette flambée des prix, des matières premières, voilà, est-ce qu'il est arrivé à ce stade de lui dire, bon, si Aziz, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut agir ensemble, on ne peut pas continuer éternellement, encore trop longtemps en tout cas, à ne pas s'exprimer là-dessus. Bon, je ne peux pas répondre à cette discussion, comment ils discutent. Je vais vous donner juste un exemple qui peut vous éclairer. Avec le début de la loi de finances, il était question, parce qu'on avait mis ça dans nos promesses électorales, c'est de baisser l'IR. Oui. Bon, la majorité a considéré que ce n'était pas le moment. Mais maintenant, vous voyez que c'est une revendication qu'on a portée pendant les élections. Et c'est déjà annoncé par le Sirqja, c'est intégré dans la loi de finances 2023. C'est comme ça que ça se passe. On porte des idées, il y a des arbitrages, il y a des délais, on ne peut pas faire ça et ça. On choisit, le gouvernement avance dans ce sens-là. En tout cas, les Sirqja portent le fait, parce qu'effectivement, ça faisait partie de votre programme, de baisser l'impôt sur le revenu pour donner un peu plus de pouvoir d'achat. Voilà. Pour nous, ça a été dit 1000 fois. Nous considérons que la classe moyenne a perdu 20% ou 22% sur les 10 dernières années, qu'il fallait absolument faire un rattrapage. Sur le pouvoir d'achat. Oui. Sur le revenu disponible. Oui, par rapport au pouvoir d'achat et le revenu, effectivement, c'est le revenu disponible essentiellement. Sur l'accord de relever le SMIC. Déjà, d'un point de vue philosophique, se dire, voilà, c'était le 1er mai, c'est chaud bouillant, séquence inflationniste qui pourrait d'ailleurs, et qui sera certainement malheureusement durable, et le gouvernement décide de relever le salaire minimum. Et c'est le SMIC politique à établir. C'était le SMIC politique. C'était le service minimum en termes d'action, de décision absolument, politique. Absolument, parce que c'est un autre signal beaucoup plus important. De calmer le front social, parce qu'on a besoin de calme et de tranquillité pour affronter toutes ces crises de sécheresse, d'énergie, alimentaire. Le Maroc, les opérateurs, le Marocain, on a besoin de faire descendre, d'étouffer un peu les revendications qui commençaient à... En tout cas, pression sociale. Si on met ça en équation, Anel Meshroun, avec... Est-ce qu'après les aides directes... C'est une signature. Ça fait 10 ans. Depuis Abbas Fassi, il n'y a pas eu de signature avec les syndicats. C'est une charte. Non, pas de la charte. De l'accord social. Les syndicats ont signé. Mm. La dernière fois avec Othmani, il y a eu augmentation, mais les syndicats n'ont pas signé. Avec Belkhélène, ils n'ont pas signé. C'est un acte aussi assumé par les syndicats. Est-ce que cet acte, après celui d'avoir mis en place des mesures d'aide directe aux transporteurs et aux chauffeurs de taxi, en tout cas ceux qui sont titulaires d'un agrément, est-ce que ça rentre dans une politique d'impact pour freiner l'inflation? Parce qu'aujourd'hui, on est tous touchés par l'inflation. Oui, d'accord. Voilà, la cohérence, parce que... La cohérence, les négociations ont eu lieu. Il y a ce qui a été largement diffusé et il y a des choses qui n'ont pas été largement communiquées. Je vous donne un exemple. Les fonctionnaires, il y a pas mal de fonctionnaires au Maroc. Depuis 3 ans, l'avancement des grades n'a pas eu lieu. Oui. Le gouvernement débloque 8 milliards de dirhams pour ajuster le droit acquis. Donc, effet de rattrapage sur les... Effet de rattrapage, 8 milliards de dirhams. Sur les échelons des fonctionnaires. Oui. Est-ce que c'est le bon moment, ça? En tous les cas, est-ce que c'est le bon moyen? Je crois que pour ce gouvernement de débloquer 8 milliards de dirhams. Ça fait partie du package social, parce qu'il fallait augmenter le SMIC au niveau de du privé, le SMIC au niveau de la fonction publique, parce que le seuil est monté, plus quelques primes pour les enfants. Donc le gouvernement a fait un peu partout, sans exclure personne. Donc en débloquant... Il y a une démarche pour montrer que
le gouvernement veut aller dans ce sens-là et que selon ses moyens, il ira de plus en plus vite et que ce n'est pas un tabou de relancer la consommation. Est-ce qu'en même temps, vous, ces mesures-là, débloquer 8 milliards de dirhams pour l'effet de rattrapage des échelons des fonctionnaires dans l'administration, choyer aussi par rapport aux allocations des allocations parentales, un petit peu. Mais c'est un droit. 8 milliards de dirhams. C'est un droit. Le gouvernement me l'avait pris. C'est un droit. C'est juste un rattrapage. C'est l'argent des fonctionnaires qui n'a pas été versé. C'est l'argent de l'État. Toujours. C'est l'argent des contribuables. Toujours. Dans un environnement aujourd'hui hyper inflationniste. Tous les cas, ça permet de freiner l'inflation? Ça augmente le pouvoir d'achat. Est-ce que quand on augmente le pouvoir d'achat, est-ce qu'on freine l'inflation? Pas forcément parce qu'elle est. Est-ce qu'on n'est pas en train de l'alimenter l'inflation? Pas forcément. Par des décisions de ce genre-là. Pas forcément parce qu'elle est importée. Importée. Elle est sur des dépenses qui sont difficiles à réduire. Le transport des Marocains, les voitures, etc. C'est difficile de convaincre les Marocains de prendre leur voiture un jour sur deux. Mais est-ce que moi ce que je suis en train de me dire, c'est que c'est difficile de convaincre les Marocains de diminuer leur climatiseur. C'est difficile de convaincre la classe moyenne faire un peu de décroissance. Surtout quand politiquement, on ne tient pas ce discours-là. Il faut augmenter. On le porte pas. Cette majorité ne porte pas ce discours-là. On ne peut le porter que si le Marocain s'aperçoit que dans son portefeuille, il y a eu un peu plus d'argent pour pouvoir lui demander d'autres sacrifices. Hausse du SMIC, j'ai fait un petit calcul en préparant votre venue. 18 milliards. Ouais, 18 milliards, je me dis, c'est grosso modo, c'est 70 centimes supplémentaires de l'heure. Il faut rajouter les 6 milliards d'augmentation pour les enseignants qui est actée. 6 ouais. milliards. Il faut rajouter l'augmentation de services publics de la santé qui va être augmentée de façon significative. Donc les salaires des fonctionnaires. Donc on a choisi, le gouvernement a choisi, malgré la crise, de continuer sur une relance par l'investissement et faire un maximum sur la demande en augmentant et en essayant de rattraper. Alors, donc, c'est quand même incroyable, madame Chico. Donc, vous me dites, voilà, on est. Donc, érosion du pouvoir d'achat généralisé, inflation durable. Et en fait, ce gouvernement, il a priorisé l'administration, les fonctionnaires. Donc, Privé. Le privé, faiblement. Donc, 140 milliards d'investissements. Les carnets pour l'entreprise sont de 240 milliards d'investissements. Aujourd'hui, quelle est la masse salariale la plus élevée? Est-ce qu'elle est dans l'administration ou dans le secteur privé? L'administration. Voilà. Oui, mais cette décision, cette majorité gouvernementale, en plus, c'est pour ça il va augmenter la masse salariale de l'administration qui est déjà supérieure à la masse salariale dans le secteur privé. Oui, mais un État fort, on l'a retrouvé au bon moment avec les crises. Un État fort est là. Parce que ça permet de passer des crises. Même les Français reviennent à l'État fort. Et puis, il faut dire une chose. Pourquoi les Marocains ont de la résilience? Parce que la crise a fait retrouver la confiance dans l'État au Maroc. Les Marocains ont vu l'État à leur disposition. Mmh. Elle a vu qu'elle ne les a pas laissés tomber. La confiance est revenue dans l'État. Et l'État ne laissera pas tomber les Marocains. Mmh. Quel que soit le politique, quelles que soient les idéologies, etc. Là, c'est un acquis qu'il ne faut pas casser. La confiance n'est pas encore revenue dans le politique. L'espoir n'est pas encore revenu dans les ménages. En tous les cas, un trésor de guerre qui est la confiance dans l'État, on ne le cassera pas. Mais pas dans n'importe quel État, la confiance. Parce que quand je me souviens d'une enquête-étude qui a fait relever là-dessus, c'est surtout la confiance au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, comme institution régalien, nationale. Régalien. Pour le régalien, mais pas pour le reste. Évidemment. César l'a dit dans la conférence de presse. Voilà. C'est public. C'est public. En tout cas, toutes les décisions qui ont été prises, salutaires ou pas, vous l'avez dit, de toute façon, c'est augmentation des salaires des fonctionnaires, donc aussi, ça va être une masse salariale beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que l'engagement de 10,5% du PIB en matière de masse salariale qui avait été pris par le Maroc, on va être loin, parce qu'on va être à 13% du PIB. Hein. Oui, cher ami, c'est pour ça qu'on a fait un nouveau modèle de développement. C'est pour inverser. Pour inverser. Sauf que le nouveau modèle de développement, il faut l'implémenter. Il est décalé. Est-ce que tout ça va faire en sorte que... Est-ce que c'est les meilleurs outils aujourd'hui pour faire en sorte de, un, de doper notre croissance économique ou en même temps, freiner l'inflation? Parce que la distribution que vous venez de dire, c'est la distribution d'argent public, d'accord, à la fois pour les fonctionnaires de la santé, de l'éducation, et les fonctionnaires tout court. Le salaire minimum, la hausse aussi dans la fonction publique de mémoire, je crois que c'est à peu près 50 000 bénéficiaires. Ouais. Voilà. Est-ce que tout ça va relancer notre croissance économique? Bon, on verra. Ça fera bouger la croissance, ça c'est certain. Mais de combien? Parce que là, vous avez vu les prévisions. Oui. La beurre d'aujourd'hui, 1,2.
1% de prévision de croissance pour 2022. Oui, ça sera entre 1 et 2, probablement pour cette année, sauf surprise. Mais ce que je voulais dire, il n'y a pas que ça. L'État a aussi est parti. C'est ça où l'État a démontré son utilité. Elle est partie. En attendant cette croissance qui va créer de l'emploi, on ne pouvait pas se croiser. Le gouvernement ne pouvait pas se croiser les mains. Il s'est lancé sur les petits travaux assistés de Aourache de 120 000 personnes par an pour préparer l'avenir. On ne peut pas dire, bon, je ne peux rien faire pour vous. Donc on fait de la dépense publique là, actuellement. Pour l'instant. On ne fait rien pour contrer l'inflation. Par contre, pour maintenir ou pour essayer de limiter la casse au niveau de la croissance économique, on fait quoi? On fait des emplois aidés, financés entièrement par l'État. Bah c'est la réalité. Et on augmente les salaires des fonctionnaires. Oui. Est-ce que c'est une bonne stratégie, ça? Est-ce que politiquement, c'est une stratégie responsable? C'est responsable parce que je vous rappelle que le bâton ne doit pas se renverser. D'accord. Le capital marocain doit se réveiller. Le capital marocain doit se réveiller, être patriotique et ne pas attendre toutes les réformes. Et il doit reprendre l'investissement créé pour... Ça, vous disiez ça déjà avant le Covid, je m'en souviens, l'Alliance des économistes. Bien avant le Covid. Encore une fois, il faut que les gens qui ont un capital anticipent les choses et créent de la richesse, des emplois pour aider. L'État est là. Fait le maximum de ses capacités. Donc vous avez fait pour le public. On va creuser la dette, on va creuser le déficit, le budget. Vous allez faire exploser la dette apparemment. Oui, mais on n'a pas le choix. On ne va pas laisser le pays. Oui, mais sauf que vous risquez de faire. Vous allez faire exploser la dette. Comme tous les pays du monde. En choyant, mais pas le secteur privé. Aujourd'hui, comme tous les pays du monde. Aujourd'hui, par rapport, quand celles et ceux qui nous écoutent, ils disent, voilà, effectivement, ils ont donné aux fonctionnaires des augmentations de salaire, des rattrapages échelons. Ils ont relevé le salaire minimum de l'administration. Bon. Mais par quelle administration? Et le privé aussi. Le privé, on va y aller sur le privé. Le rural aussi. Oui, 5%, pour 5%, en fait, deux tranches. Oui. Mais c'est tout ce que vous avez donné. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils sont confrontés à un renchérissement des coûts de production. Oui. D'accord. Et vous lui annoncez un renchérissement du coût du travail. Ah, je me dis, il doit se gratter la tête. Il voulait que le capital marocain et que les investisseurs investissent beaucoup plus. Est-ce que là aussi, il y a de la cohérence politico-économique, Alain Meshkoun? Vous allez m'amener sur un terrain qui va me faire beaucoup d'ennemis. Allez-y. Comme par hasard, avec tout ce que vous décrivez, j'ai un taux d'investissement étranger qui explose. Mmh. J'ai des demandes d'implantation d'écosystèmes entre Qnétara et Tanja que le Maroc n'a jamais connu. On a les usines de l'Ukraine qui déménagent sur le Maroc. Ces gens-là calculent aussi la compétitivité. Ça veut dire que les salaires sont encore compétitifs. Ça veut dire que les compétences sont encore là. Pourquoi ces étrangers investissent au Maroc? Pourquoi l'industrie va créer 100 000 emplois? Alors que fait le capital marocain? Il faut qu'il arrête de pleurer. Non, mais avec son livre blanc, OK, on a compris, on l'a appris par cœur, le foncier, l'accès au financement, etc. etc. Et surtout le coût de l'énergie aujourd'hui. Renchérissement, conséquence de... Oui, pour Renault aussi, pour Toyota aussi. Qu'est-ce que vous proposez pour le secteur privé? À part leur dire, voilà, à partir du septembre 2022, vous allez devoir augmenter de 5% le SMIC, et à partir de septembre 2023, vous allez aussi augmenter le SMIC de 5%. Mais il y a eu une promesse. Face au renchérissement des coûts de la production, une promesse signée par les syndicats de revoir le code du travail pour donner un peu plus de modernité, de souplesse et de flexibilité. Modernité du travail, parce que le travail est en train de changer entre les indépendants, les freelancers, etc. et tout ça. Il y a le droit de grève. Le droit de grève sur lequel ils reviennent, ils insistent comme le Maroc était à l'arrêt à cause des droits de grève. En tous les cas, revendications. Et l'entreprise qui importe des ronds à béton d'Ukraine, par exemple, et qui voit son renchérissement de 25 à 30% quand il arrive à en trouver, qu'est-ce que ce gouvernement lui propose? Ben c'est exactement ce qui s'est passé au ministère de l'Équipement. On a révisé les prix des marchés. On a révisé les prix. On a tenu compte de la réalité. Ça, c'est pour les marchés publics. Ben, c'est les plus gros. 240 milliards, ils sont dans le public. Mais celui qui importe la matière première semi-transformée, dont il finit la transformation aussi pour exporter. Il la vend à quelqu'un qui a un marché et on lui a donné la révision. Révision des coûts de production et d'importation. Donc on a facilité
les marchés en cours et futurs en leur donnant une garantie. L'État va tenir compte de ces imports qui coûtent plus cher, ce transport qui coûte plus cher, pour les automatiquement les mettre sur la facture des marchés. Aussi, par rapport à ce souverain, est-ce qu'il y a une politique aussi? Et ça va aussi pour le privé, entre privés. Parce que la révision des prix, c'est pas seulement avec l'État. Non, c'est les marchés entre privé et privé, il a le droit de réviser en fonction d'un coefficient qui est donné par l'État. Et l'État a changé ce coefficient. Juste une dernière question avant de passer à un autre sujet. Il n'y aura pas de problème aussi de problématique liée au délai de paiement? Parce que l'État, ça s'améliore. L'État qui dégaisse et l'État qui débourse aussi, on traînait ça en longueur, bien avant le Covid. Pour l'État, on est à 40 jours. Il y a un effort énorme qui a été fait. Il y a encore des brevets galeuses, mais l'effort au niveau entreprise, publique, privée, le problème est dépassé. Le problème qui persiste, c'est les 240 milliards de crédits privés. Et ça, il faut qu'ils le résolvent entre eux. Ça ne serait pas pu faire l'objet aussi d'une discussion dans le cadre de, si, de, mais, du dialogue social? Si, mais ils refusent. Surtout en période de crise et mais c'est comme ça se passe entre eux. Ils ne veulent pas que l'État fiscalise les pénalités de retard. Que voulez-vous qu'on fasse? Et le gouvernement, il ne peut pas porter politiquement? Si, il peut être fort là-dessus. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il négocie. Il négocie toujours. C'est-à-dire que je donne 5% d'augmentation du SMIC, en même temps, vous acceptez de légiférer sur le droit de grève. Je donne 5% supplémentaire du SMIC à partir de septembre 2023 et vous acceptez de flexibiliser le marché du travail. Il faut toujours avoir des contreparties. Sur le congé. Toute négociation. Lorsqu'on libéralise l'essence et le gasoil, on aurait dû avoir l'agence de régulation. Oui, qu'on l'a pas eu. Oui. Et qu'on l'a toujours pas. Et il faut le faire. Et on n'en parle pas. Non. Ils en parent. Bah, ils en parlent en silence, en mode silence. Non. C'est la maturité de chaque chose. Congé paternité. Extraordinaire. Ça vient d'où, ça? Ça vient pas de Mélenchon. Non, ça vient pas de Mélenchon. Est-ce que ça vient des catégories de population vulnérables? Est-ce que ça vient de la classe moyenne? Est-ce que ça vient de la classe aisée? Est-ce que ça vient des syndicats? Est-ce que ça vient de l'Istiqlal qui a dit... Voilà, parce que moi, le PPS, il avait le blabla, mais il dit, mais nous, ça fait 20 ans qu'on a cette revendication et qu'on parle du certificat de ce congé de paternité, pardon. Soyons gentils avec le PPS, disons que c'est lui. C'est lui qui vous l'a soufflé dans l'oreille? Non, c'est lui qui l'a poussé le premier jour et ça ne pose pas de problème. Sur le sociétal, l'État marocain bouge en fonction de la société marocaine, même en étant un peu en avance parfois sur la société marocaine. Mais des fois, on est en retard. Avez vu l'histoire des femmes de ménage, ça n'a pas pris. C'était une bonne loi, mais ça n'a pas réussi. Parce que la société marocaine n'est pas prête encore. Il faut la pousser, il faut l'accompagner, il faut expliquer, etc. etc. Ce qui est le job du politique. Hein. C'est le job du politique et des associations de la société civile. Il faut qu'ils fassent leur job. Non, mais juste sur le congé paternité, c'était politiquement, c'est qui c'est qui a porté ça? Tout le monde a été extrêmement surpris. Non. Beaucoup se grattent la tête, les DRH. J'en parlais d'ailleurs ce matin avec la responsable ressources humaines du groupe. Après, il faut voir, il n'y a toujours pas d'éléments aujourd'hui sur comment ça va être opérationnalisé dans l'entreprise. D'autant plus que l'entreprise, vous savez quoi? Ils ont été des chefs d'entreprise et les DRH du pays, ils ont été surpris d'apprendre ça. C'est ouf. Les DRH du pays devraient lire un peu plus les déclarations du gouvernement lorsqu'ils demandent la confiance au niveau du Parlement. Et donc là, c'était soufflé. Et en même temps, vous êtes attendu du virage, vous savez par qui? Par les militantes et les militantes de l'article 490 du Code pénal qui demande l'abrogation. Donc peut-être si le premier message, c'est légiférer sur le congé de paternité, est-ce qu'ici, dans le cadre de la perspective de la réforme du Code pénal, est-ce que cet article 490 du Code pénal qui pénalise les relations sexuelles hors mariage, mais consenti, est-ce que ce gouvernement va être aussi courageux, ambitieux, avec cette démarche de teinter de modernité d'abord pour ces sujets aussi de libertés individuelles? Oui, pour mémoire, il y avait déjà une petite modification introduite par l'ancien gouvernement qui a été bloquée par la majorité au niveau du Parlement. Il n'est pas sorti. Donc vous sentez bien qu'il y a une volonté de bouger sur certains sujets. Et vous sentez bien qu'il y a de la résistance à bouger sur ce... Donc l'art marocain est de bouger au bon moment, la meilleure façon possible, pour que les choses puissent être appliquées. Vous ne faites pas une loi pour s'apercevoir qu'elle est inapplicable. Mais est-ce que c'est le politique qui s'aligne à la société ou c'est la société qui... ou c'est l'inverse? Souvent, il y a deux façons de faire. Il y a...
parfois des institutions régaliennes qui ont mission de faire bouger la société. Et parfois le politique suit ou suit mal. Parfois c'est la société qui appuie de façon plus visible, plus structurée sur certaines problématiques qui trouvent à un moment donné de la façon naturelle leur solution. En tout cas, pour l'Istiqlal, la mise en place du congé paternité, ça vous va? C'est quelque chose qui vous convient? Vous applaudissez? Vous avez applaudi avec les deux mains? Oui, oui. D'accord. Après cette séquence rose, rose bonbon, on revient justement juste sur le terrain politique ou économique pour finir, en guise un peu de conclusion de ce débat d'info en face avec vous, Alain Benchron, sur, écoutez, voilà, beaucoup de dépenses ces trois derniers mois. Oui. Énormément de dépenses. Oui. La caisse de compensation, vous l'avez dit, il y a 16 milliards de dirhams qui ont été consommés en trois mois. Le chef de gouvernement a annoncé qu'il fallait réinjecter au moins entre 15 et 16 milliards de dirhams supplémentaires. Certains disent qu'il faudra beaucoup plus. Il est optimiste. Il est extrêmement optimiste, peut-être même. Peut-être un peu trop. Des 8 milliards de dirhams pour l'administration. Milliards pour le tourisme. 2 milliards pour le tourisme. Bref, tout ça, on est sûr, au-delà de... On est entre 50 et 60 milliards de dirhams. Oui, il reste à financer... 56, moi, quand j'ai compté. Il reste à financer la protection sociale. Le régime de protection sociale aussi. Qui est très cher. Coûte très cher, on parle en tout cas de 50 milliards de dirhams par an. Intégrer 11 millions de ramédistes à l'AMO, ça coûte des milliards. Qu'est-ce qui va vous rester pour refabriquer, reconstruire comme base le projet de loi de finances 2023? Parce que moi, je me dis, là, ça dépense, c'est l'échec ouvert, ça dépense, ça signe des chèques. Mais ça, elle va frapper, parce qu'en plus, il n'est pas prévu, en tout cas, d'augmenter la pression fiscale. Les recettes fiscales, c'est en 2022, ne devraient pas dépasser 190, voire 200 milliards de dirhams. Je me dis, mais comment vous allez, sur quelle base vous allez construire le projet de loi de finances 2023? Je veux dire, vous, c'est-à-dire le gouvernement et la majorité gouvernementale. Ben, je ne suis pas au ministère des Finances pour vous communiquer les différentes matrices qui ont été... calculé, et il y a un travail qui est fait et qui est ajusté tous les 15 jours en fonction de la situation de l'environnement extérieur. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura des arbitrages. Le seul truc qu'il faut, que je dis, je répète, quand il y a un arbitrage, il faut venir devant les Marocains dans la transparence et leur expliquer de A à Z pourquoi on a fait ça plutôt que ça. Et pourquoi on n'a pas fait ça plutôt que ça. Etc. Ceci dit, quand vous reconnaissez ceci dit, il faut le dire, nos bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale, nos bailleurs de fonds sont au rendez-vous. Il n'y a pas de défaillance. La signature Maroc est là. Sauf que nos bailleurs de fonds, et en particulier le Fonds monétaire international, ce qu'ils ont dit, c'est attention à l'endettement. Le warning, endettement. Non, il nous dit cibler. Il nous dit cibler. C'est tout. Voilà, mais en même temps, est-ce que là, on va devoir aussi cibler. Parce que si on revient sur les marchés internationaux, pour l'instant, le chef de gouvernement a dit, en se félicitant d'ailleurs, que le Maroc n'avait pas eu recours pour le moment à une levée donc d'emprunt sur les marchés internationaux, continuer à rembourser ses précédents emprunts. Il n'y a pas de doute sur la signature Maroc. Sauf que... Rien. Sauf qu'on va devoir sortir sur les marchés internationaux. Parce qu'il y a 40 milliards de dirhams qui avaient été prévus dans le projet de loi de finances 2022. On va devoir sortir. Oui, peut-être. Certainement. On va sortir, mais à quel niveau? 1, 2, 3, je ne sais pas encore. 2, 3 milliards. On saura. Vous parlez en quoi? En dollars ou en euros? En euros ou en dollars. Non, parce que les deux vont coûter plus cher. Ben, forcément. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la tendance, même si pour l'instant la BCE se réserve encore un peu de temps pour relever ses taux, le dollar va coûter, coûte déjà plus cher, il va coûter de plus en plus cher toute l'année 2022. Il y a des mouvements sur l'euro qu'on n'arrive pas à comprendre, certaines spéculations. Il y a quelque chose qui se passe sur le marché des devises qui est un peu particulier, on verra. En tout cas, nous, les hydrocarbures, on continuera à les payer en dollars. Il faut passer, on a du gaz, il va arriver dans 3 ans, et il faut passer le cap. Le gaz qui va arriver d'Espagne? Non, le gaz qu'on a trouvé. Pas celui qui va arriver. Entre autres, il va servir aussi. Vous savez qu'il va... Mais c'est extraordinaire ce qu'on a fait. Inverser, on sortait du gaz par un tunnel et on va le faire rentrer par le même tunnel. C'est une prouesse. Et ce n'est pas le même gaz, l'origine. Il sert à la même chose, il va... Oui, mais c'est important parce que le voisin de l'Est a dit... Centrale pour promouvoir. Demande un certificat d'origine, exige en tout cas auprès de Madrid. Vous l'avez vu comment? C'est officiel, hein? Ben oui. Mais sauf qu'il va coûter plus cher, ça c'est peut-être moins marrant.
Ah, évidemment. Il va coûter plus cher. C'est là ce que j'essaie de vous convaincre. On n'est même pas sur des histoires de prix, on est de disponibilité. Tout le monde va se battre pour le blé, tout le monde va se battre pour le gaz et tout le monde va se battre pour le pétrole. Il faut le trouver. À partir du moment où la guerre va durer, que les sanctions vont durer, ça veut dire que le prix du pétrole, on va plus acheter de chez l'URSS et tout le monde va aller chercher des fournisseurs qui sont les mêmes, hein, les quantités sont connues. L'OPEP n'a pas investi parce qu'il y avait cette histoire de développement durable et d'électricité renouvelable. Donc il y a 10 ans, les grands investisseurs ont arrêté d'investir à chercher du gaz et du pétrole. Conséquence, aujourd'hui, on se retrouve coincé. Donc aujourd'hui, le gouvernement se bat et bataille tous les jours effectivement pour en matière d'approvisionnement. Mais est-ce qu'il y a une vision, là aussi, certains aussi, spécialistes et experts du point de vue énergétique, pas forcément que des politiques, mais des politiques aussi, reprochent à ce gouvernement, en termes de transition écologique, en termes de transition énergétique, il n'y a pas grand-chose. À la lumière de ces 3 mois de conflit en Ukraine, on dit, voilà, le charbon, la tonne a flambé, le gaz a flambé, les experts à travers le monde aussi, est-ce que ça, on rentre dans un nouveau monde donc en matière d'accessibilité et d'utilisation des matières premières essentielles. Et nous, chez nous, c'est pas. Voilà. Effectivement, là, tant mieux, on va récupérer dans un premier temps, dans l'immédiateté, du gaz en provenance d'Espagne avec en flux inversé via le gazoduc Maghreb-Europe. Mais après, le gouvernement, il planche sur quoi aujourd'hui? À part de nous faire des constats, de nous dire, ouais, c'est pas normal, on n'a que 26 jours de réserve, de stock de diesel. Pourquoi il n'arrive pas à dépasser ça? Selon vous, accordez-moi au moins que c'est pas facile de dépasser l'immédiateté et la dictature du quotidien. Même dans les pays les plus développés, aujourd'hui, les Allemands reviennent au nucléaire, les usines de charbon en France qu'on avait fermées, ils sont en train de les réouvrir. On n'est pas dans Mais là, il y a les actes politiques qui sont pris dans ces pays-là. Mais qui sont en contradiction avec tout un discours et une politique planifiée au niveau de l'Europe. Est-ce qu'il vaut mieux de la contradiction dans des actes qui avaient été annoncés et entre ce qui est fait, ou pas d'actes nouveaux contextualisés? Parce que nous, c'est ça, en fait. Les actes arrivent. Il y a quelque chose qui arrive? Oui. Le Maroc est sur l'énergie. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie de l'énergie, mais si j'ai bien compris, d'abord, on veut que la production de l'énergie par le renouvelable puisse aboutir à l'industrie. À quelle échéance? Le plus rapidement possible. Vous avez vu au premier trimestre 2022, la production d'énergie sur la base du solaire a baissé de 40%, chiffre de la Banque centrale, Banque Le Marais. Valeur aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis, ce gouvernement, la stratégie en matière de transition énergétique, de politique énergétique à la lumière de tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, quelle est-elle? Elle arrive. Je vous donne deux tendances. Élargir avec la meilleure technologie possible, avec un nouveau partenaire, ce qui circule dans les couloirs, c'est un partenaire allemand sur un projet énorme. Donc, on élargit, on continue. L'hydrogène vert, c'est quoi? On continue agrandir notre capacité de production et cette fois-ci, essayer de verser cette énergie verte dans l'industrie pour se préparer aux normes européennes qui est notre premier fournisseur. La taxe carbone, pour être éligible. Pour être le plus décarbonisé possible pour pouvoir continuer à exporter. Donc il y a une stratégie, on a des dates, il y a des directives européennes. Sauf qu'on ne sait pas comment. J'ai reçu d'ailleurs un spécialiste à l'énergie la semaine dernière, il disait Riyad Mazour qui annonce un kilowatt à 50 centimes. Et il faut qu'il me dise comment, parce que moi j'ai rien contre ce monsieur qui est d'abord ministre, mais un kilowatt à 50 centimes, je ne sais pas comment il va faire. C'est pas lui, c'est à madame qui est ministre de l'énergie. Laila Ben Ali. Mais c'est à tous les deux, ils sont directement, ils travaillent de concert là-dessus, non? Oui, mais c'est à elle de venir nous donner, dans la transparence, le coût de l'énergie. Et il faut qu'elle nous dise, sous la Ouarzazate, une fois transporté de 100 km, il coûte combien? Transporté à 300 km, il coûte combien? Etc. Déjà, ce qui a été calculé, c'est le coût du transport, de l'acheminement du gaz en provenance d'Espagne, qui va être regazifié à Cordoue. Celui-là, il va coûter déjà extrêmement cher.
Et d'ailleurs, on a fait de la gestion déléguée à l'Espagne pour il ça. Il est subventionné. Parce qu'on est. Oui, mais on est. Oui, mais il va. Oui. Il est subventionné. La butte à gaz, vous continuez à la vendre, à l'acheter à 42 dirhams. Mmh. Sauf qu'elle coûte 119 dirhams à l'État. Beaucoup plus. Oui. 120 dirhams à l'État. Oui. Et que voilà, et on est passé d'ailleurs de 405 dirhams à 120 dirhams en un mois. L'État est là. Mmh. L'État ne laissera pas tomber les Marocains. Mmh. Ni en gaz, ni en autre chose. Ni en gaz, ni en alimentaire. Mmh. En alimentaire. Oui, mais après, ça n'est pas en eau. Oui, mais c'est une question de coût. C'est une question de coût. C'est une question de coût. Donc, l'État est là. C'est son rôle. Est-ce que ça veut dire que ce gouvernement, il risque d'être taxé, labellisé, je ne sais pas quoi, en tout cas, d'être le gouvernement de la vie chère? Parce qu'au bout de, ça fait quoi? Pas tout à fait un an qu'il est aux responsabilités, que le Circlel co-gouverne avec le RNI et le PAM. Voilà, aux yeux peut-être des opinions publiques, ça va être, ben voilà, avec ce qui se passe, la flambée avec l'inflation durable. Moi, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas plaire à mes amis. Supposons que ce scénario se confirme, que nous sommes partis sur des années de crise. Des années d'inflation et de vie chère. Oui, parce que les sanctions contre l'URSS vont continuer, même s'il y a un cessez-le-feu, même s'il y a une guerre de tranchées, les uns vont se regarder, ils vont se tirer de temps en temps, mais on restera sur les sanctions. Normalement, le gouvernement doit revenir à sa tête, c'est Arnoch, revenir à un moment donné au niveau du Parlement, refaire une déclaration de politique générale et redemander la confiance sur un programme ajusté. À quelle échéance? Il doit le faire vite, là. Troisième trimestre. C'est-à-dire la rentrée pour vous? Oui, la rentrée. Septembre. Ou alors il revient en disant, il n'y a pas de problème, je peux tenir le cap, mon programme ne bouge pas. Je vais faire ça, ça, ça pour éviter ça. En tous les cas, les gens ont besoin de clarté, de communication, de transparence. Les Marocains sont... C'est ce que disait Nabil Belarbla hier. Ce qu'il reprochait essentiellement derrière ce gouvernement. Nabil Belarbla ne dit pas que des conneries. Hein. Ah bon? Non, mais donc même vous, en tout cas, en tant que partie prenante de ce gouvernement avec les Syriens, vous dites... Il faut qu'il communique mieux. Voilà. Oui. Communique mieux. Mais je me rappelle que c'est des reproches aussi qui étaient faits par des partis qui étaient à l'époque dans l'opposition, compris d'ailleurs les Syriens, à l'égard du gouvernement Atmani. Mais ça, vous savez... Atmani qui est le gouvernement, en tout bien cas, sûr, bien qui est faible, qui est faible sans communication. Couple, même dans un couple, c'est toujours un problème de communication. Dès qu'il y a un problème dans un couple, on dit, il faut qu'ils améliorent, ils vont voir un psy, il faut mieux communiquer. Sauf que là, l'enjeu, il est beaucoup plus conséquent qu'à l'échelle d'un couple et d'un ménage qui soit amoureux. Donc la communication est une clé de rassurer les gens et de leur demander si nécessaire de faire un effort, il faudra le faire. Est-ce que ça veut dire que derrière ça... Et vous avez vu qu'avec le fonds Covid, le Maroc a été à la hauteur. Mmh. Quand on a besoin des Marocains, on les trouve. Là maintenant, il faut le trouver. Il faut que le gouvernement soit aussi à la hauteur et les pouvoirs publics sur le... Il faut être juste transparent. Le front inflationniste. Oui. Qui touche tout le monde. Oui. L'inflation aux États-Unis est de combien? 8. 8,5, c'est record d'ailleurs. En France, combien? 4,5. C'est bien parti pour plus. Nous, on est à 5. Mais on n'a pas le même niveau de développement. Oui, mais sur un mois, attendant la série. Regardez, la Fed a pris la décision de relever les taux de manière... Les taux bancaires, quitte à casser, à enrayer la croissance économique aux États-Unis pour revenir à une inflation supportable à hauteur de 2%. Un horizon et un cap et un objectif que les Américains pas fixer le gouvernement. Les Américains relancent leur économie par une industrie de guerre. Parce qu'on est bien d'accord, avec 5% d'inflation, on ne pourra pas relancer notre économie. Difficile. Voire mission impossible. Donc si on reste à un niveau aussi élevé d'inflation, il n'y aura pas de relance économique en 2022. On peut maîtriser l'inflation à 3. À 3? C'est jouable. On a les moyens. On verra en tout cas. On suivra ça. Merci une fois de plus à vous, Alain Michelon. Je rappelle, vice-président de l'Alliance des économistes Istiklalien, qui a applaudi dès demain le congé paternité. Bien évidemment. Vous m'avez dit. Évidemment. Et j'attends le jour. J'espère que de pouvoir applaudir d'autres avancées au niveau sociétal. Comme l'abrogation de l'article 490. Je ne citerai pas les articles. Il y a plusieurs articles que le Maroc mérite de faire bouger. Merci en tout cas. On suivra ça également d'ailleurs. Merci une fois de plus à vous. Merci à vous. Et à très vite. À très vite.